Allez, salut à tous les amis, c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'autre, oh yeah, en compagnie de fou des jeux vidéo, qui est toujours en ma compagnie avec ses magnifiques doubles lames, lame elfique et lame humaine, vraiment magnifique. Donc aujourd'hui, vu que nous sommes en vacances, enfin je suis en vacances, ça commence déjà à bastonner, on va essayer de se faire une espèce de grosse session, mais quand je dis une grosse session, on va dire à peu près une heure de jeu, voire peut-être même plus. Enfin, vraiment, j'aimerais bien avancer dans l'histoire. Ça fait deux fois, histoire. Histoire de vraiment avancer, quoi, dans le scénario. Parce que finalement, on stagne depuis longtemps. Et voilà, j'aimerais bien donner un grand coup de boost à ce scénario. Parce que, bon, pour l'instant, on est qu'au début. On n'a pas... Putain, ça fait mal. On n'a pas découvert de choses vraiment super, super, super intéressantes pour l'instant. Alors, bon, voilà. Je ne connais pas encore grand-chose. Et je me fais mes maraves. Putain de saloperie d'orque de merde. Donc, comme je vous ai dit, cette vidéo fera dans les environs de... allez, une heure, peut-être, voire même plus. Parce que j'ai... Ok! Ok, le méga bug, le mec a disparu de l'espace-temps, de l'espace temporel, de ce que vous voulez. Le mec a disparu. Il est tombé. Bon, bah, ça tombe bien, puisqu'il était méga chaud. Gros bug. faut pas oublier que ce jeu est complètement putain, mais c'est quoi ce bordel? Et pourquoi ma manette vibre? Mais oh, je crois que cette zone est complètement buggée. Les ennemis n'arrêtent pas de disparaître. Alors sinon, bref, petit rappel, nous ne sommes ah oui, un coffre. Très bonne idée. Nous ne sommes pas dans les mines de la Moria actuellement. Oh, 840 pièces. Ouh, magnifique. Nous sommes dans une... oui, dans une montagne. Alors, si, c'est peut-être la Moria... Enfin, ça se trouve, j'ai n'importe quoi. Non, je m'en souviens. Bref, nous sommes dans une montagne et c'est rempli de gobelins et d'orques et tout le bordel. On va devoir en sortir pour, bien, pour avancer. Je me suis gouré, là. Attendez. Oui, c'est par là-bas. C'est bien par ici. Nous devons être proches. Oui, voilà, donc c'était une demeure des nains, comme toutes les montagnes. Et il s'était fait, mais juste explosé par par les orques et les gobelins. Et par une masse, par beaucoup de trolls d'ailleurs. Ah, j'ai pris un niveau. J'ai pris un niveau. Donc voilà, on rentre dans l'instant suivante. Ah, ça fait plaisir. Je vais essayer de finir ce let's play, ce jeu, d'ici quelques semaines. Enfin voilà, avant le mois d'août, ce serait cool. De même que Black and White, comme ça, ça va libérer de la place pour d'autres let's play. J'en ai plein en tête. Oh, la cinématique de ouf. Quel charisme, ce... Oh, des nains. Putain, ils ont du charisme. Hein. J'aime beaucoup leur barbe. Et il a un marteau swag. Ça, il faut le dire. Putain, son marteau est... Wouah, putain, mais en fait, ils ont des armes de fou. Franchement... Oh, merde. Ah oui, elle a la flèche dans le cou, ça pardonne pas. Ah non, dans l'épaule. Et j'ai oublié de fermer mon Facebook. Idiot, c'est pas grave. Je suis d'accord, Barouk, je sais pas quoi. Alors, je ne sais absolument pas ce qu'ils essayent de faire. Ah, ok, d'accord, va falloir les protéger. Bah voilà, enfin un truc intéressant. Comment on fait pour courir? Putain, je me souviens jamais comment on fait pour courir. Ah oui, voilà, c'est la gâchette de droite. Alors, où se trouve le... Ah, donc, on a le premier nain ici, le deuxième est en haut, c'est parti! Alors, je vais essayer d'utiliser un minimum de pouvoir. Vas-y, cassez-vous. Bon, on s'en fout, c'est que ce ne sont que des pauvres gobelins qui disparaissent. Qui finissent dans le sol. Le type. Ok, d'accord, ils peuvent. Ils n'arrivent que par ici. L'escalier principal est juste là. Ok, bon ben. Pour l'instant, là, c'est du. C'est du massacre. C'est du massacre. J'ai oublié de passer mon niveau avant. Putain, ils font. Oh merde. Là, j'ai fait le con. Là, j'ai fait le con. Là, j'ai fait le con. Qu'est-ce que tu fais, mon petit fou des jeux vidéo? Allez, attaque. Putain, il se fait. Waouh, il se fait marrer. Alors là. Bon, putain, il est complètement bugué. Complètement bugué. Regardez-moi ça, le bon. Alors, le mec ne bouge plus et disparaît. Ah, bah, l'autre aussi. Bah, c'est parfait. Ça rend le jeu. Putain, je me fais défoncer. Ça rend le jeu plus facile. Putain, il me démonte les mecs avec des doubles. Mais, c'est OP. Qu'est-ce que tu veux faire?
Ok, non mais en fait je me fais juste défoncer. Il me faut une potion de soin. Voilà, elle a tout compris. Elle a tout compris, le petit cercle de lumière de l'infini. Putain mais c'est une zone mais complète. Hey, mais ils sont vraiment cheatés hein. Mais qu'est-ce qu'il fait le petit fou des jeux vidéo là? Je le vois pas, je me fais marave. Je me fais marave, qu'est-ce que tu fais? Ah il est là-bas, d'accord. Oh là là, l'esquive, l'esquive, l'esquive. C'est dur là. Ah, l'autre il me suit. Et ils se font défoncer. Non mais c'est complètement OP cette zone. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah bah l'autre elle est... Putain. Putain. Oh putain il peut pas en plus. Oh là 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 là. Bon bah ok. Cette zone est juste impossible. Il faut le dire. Putain, c'est... Et en plus je ne suis qu'en normal. C'est ça qui est abusé. Ah oui, faut pas que j'oublie, j'ai une arbalète. Bon, toi déjà tu vas dire bonjour au diable. Ok, le mec, c'est trop longtemps que j'ai pas joué. Oui, je confirme, moi aussi. Ça fait très longtemps. Ça fait vraiment très longtemps. Allez, gobelins, hop, ça crève. J'ai l'impression qu'il y a un peu de latence en fait. C'est pour ça que ça c'est parce qu'on est en multijoueur, c'est son multijoueur. Résultat, la latence est toujours un petit peu élevée. Ah, les arbalètes. Ah bah oui, forcément. Les arbalètes des... Ok, d'accord, mais en fait, c'est parce que je suis juste con, je sais pas lire. Oui, alors... Oui, 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 je prends les arbalètes défensives, sauf qu'il y a un enfoiré qui m'a suivi. Allez, viens, la sac à merde. Voilà. Putain, ils prennent cher, là. Comment on fait? Non, comment on fait? D'accord. Ok, c'est la gâchette. Succès, superbe, ça fait 4000... Allez, crève. Oh, crève. Crève. Est-ce que je peux... Là, ouais. Toi, tu vas mourir. L'autre, il prend cher. Bon, voilà. C'est du tower défense, si je puis dire. Bon, on a la place des tours. Bon, les gobelins de merde, on s'en fout. C'est plutôt les types comme ça qu'il faut arrêter. Enfin, quoique les gobelins aussi, remarque. Ça fait un petit peu de dégâts, mine de rien, ces saloperies. Voilà. Oh, yeah. Bon, évidemment, hein. On tire. On a absolument pas de munitions. C'est pas grave. Oh, putain. Ok. Deux coups. Le mec, je l'ai démembré. Il a explosé. Ah, ah, ah le salaud. Ah le salaud. Toi tu meurs. Alors les gros là. Putain. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'espère que Fou des jeux vidéo a pris la deuxième. Bon ils ont pris un peu de dégâts nos amis les nains. Mais c'est pas grave hein. Ça fait partie des risques du métier hein, forcément. Attends, mais cette arbalète de l'infini qui tire à je sais pas combien de cadences. Enfin, quelle est la cadence de cette arme? Mais c'est... Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. C'est pas grave, c'est pas grave. La cadence de cette arme est abusée. Voilà, comme ça c'est mieux. Toi tu bouges pas, toi non plus. Ils prennent cher. Hein. Vraiment, ils prennent cher. Paf. Les gros, les gros, les gros. Non, toi tu bouges pas. Putain, l'autre il est passé malheureusement. Putain, ils vont se prendre des tartes dans la gueule. Putain, toi tu... Ah, je peux pas tourner plus malheureusement. Bon normalement ils sont pétés les nains. Alors ils ont intérêt à résister. Hop. Hop. Alors je sais pas combien de temps cette phase est censée durer. Mais c'est long quand même hein. C'est jusqu'à quand les gars? Vous comptez ramener toute la famille? On dirait que j'ai fait ça toute ma vie hein. Et ça vibre d'une force dans la manette. C'est incroyable. Tac tac tac. Tac, tac, tac. Holy shit. Yeah. Ouais. Ouais, et je suis d'accord. Les mecs ont l'air juste attardés, mais c'est abusé. D'accord. Ouais, ils ont l'air d'être un petit peu teubés, il faut le dire. Oui, oui, au lieu de parler là, putain. C'est pas que... Qu'est-ce que c'est que c'est? Oh, c'est le corps du je sais pas quoi là, non? Non, comme dans le film. Non, qu'est-ce que c'est? Un appel à la corne? Un appel à la corne. Vous les appelez ici? Mais qui? Vous avez prévenu? Mais vous appelez... Ah, l'armée des morts, non? Non. Ok, c'est pas fini. Putain, c'est pas fini. Euh...
Oui. Putain. Allez, ça bombarde là, ça bombarde. On va voir combien de ces salauds. Ok, bon, ça va. Ok, fou des jeux vidéo a pris la deuxième arbalète. Là, bah, c'est explosion nucléaire. Hein. Et, écoutez, c'est l'arme atomique. Hein. Ils peuvent rien faire, les pauvres trolls. Hein. On les déboîte. C'est quand même cheaté, hein, faut le dire. Ah. Ah, d'accord, non, en fait, c'est pas si facile que ça. Parce qu'il y a les gros en même temps. Putain, c'est tendu, hein, c'est tendu du string. Putain, les trolls, faut pas qu'ils passent. Et l'autre, elle est en plein milieu, tu sais pas pourquoi elle est en plein milieu, mais c'est pas. Vous le passerez pas. Troll, l'infini. Et là, l'XP qu'on se fait, les gars, mais c'est juste nawak. Pourquoi il est passé le troll? Attendez, me dites pas qu'il est passé le troll. Non, c'est bon, il est pas passé. C'est bon. Putain, il y en a deux. Deux en même temps, là c'est tendu là. Ah mais en plus on les... Ah ouais, d'accord. Bon. Et de 1, putain, ils arrivent en masse là. Et de 2, le troisième. Ça, ça doit faire la masse d'XP, vous voyez, je suis déjà niveau 16, on va voir. Est-ce que ça rapporte beaucoup d'XP? Putain, je vise n'importe comment, ça touche quand même. J'ai pas l'impression que ça... Si, ça rapporte quand même, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si ça rapporte. Je ne sais pas quel est le niveau maximum dans ce jeu. Ça, c'est une bonne question. C'est bon? J'ai pas l'impression. Non, non, c'est pas fini. Putain. Putain, c'est chaud. Et au final, ils vont crever comme des merdes. Putain, c'est tendu, là. C'est tendu. Mais c'est quand qu'ils arrivent, les types, là? Je suis sûr que c'est... Putain, mais en fait, ils se font défoncer. Ils se font défoncer. Il y a un blème. Il y a une couille dans le potage. Il y a de la smoule dans la friteuse. Je répète, il y a de la smoule dans la friteuse. J'ai pris un niveau. Donc, j'ai pris un niveau. Va falloir que... Ouais, j'augmente mes stats. Putain, c'est tendu. C'est tendu. C'est tendu, les gars. C'est tendu. C'est quand qu'ils arrivent? Oh, la vache. Mon dieu. Ouh. C'est stressant, hein. Putain, j'ai carrément une crampe au doigt tellement j'appuie sur la gâchette comme un taré. Et c'est... Putain, c'est sportif, c'était... Enfin, c'est ce niveau. Ils vont bientôt crever, là. Ils vont bientôt crever, les types. Ah. Tiens, d'ailleurs, le pote a pris... Fou des jeux vidéo a pris un niveau, si je ne dis pas de bêtises. L'autre, elle fout rien. L'autre, elle fout rien. Tu pourrais les soigner au lieu de dire de la merde. Non mais oh. Oh la vache. Ouais bon, c'est pas que ça dure genre 100 ans. C'est un peu ça le problème de ce jeu, hein, en fait. C'est que au final, quand vous augmentez la difficulté, c'est... Bon, enfin... on va dire que voilà, c'est juste des sacs à PV, les types. Et les phases durent beaucoup plus longtemps. Mais en plus, je crois qu'on est même pas en difficile. C'est ça qui est assez étonnant. Bon. Alors, qu'est-ce que vous ramenez? C'est un balrog ou quoi, les gars, là-haut? Pourquoi vous faites cette tête? Une arme ancienne. Me dis pas que c'est une hydre. Ou une connerie comme ça, non? Ils ont une sale gueule, quand même, les trolls. Oui, oui, alors qu'est-ce donc? De la pierre, ouais, bon, toujours rien de... Oui, donc c'est bien l'armée des morts. Non, c'est pas l'armée des morts. Si, c'est l'armée des morts. Putain, j'arrive pas à voir. C'est ça votre arme secrète? En fait, il y a tout qui s'effondre. Oui, pourquoi pas. Oh, joli saut. Oh putain, le mec. Oh, pas mal ça. Franchement, c'est pas mal. C'était ça votre arme à la con. La montagne est en train de s'écrouler. Oui, c'est une excellente chose. C'est parfait. Vous saviez ce que vous produire? Il est con. Il est con comme un balai. Nous sommes là. Comme un balai. Nous avons dû faire ça pour que notre peuple puisse survivre. Je suis vraiment désolé de vous faire tous tuer. Mais oui, c'est vraiment des idiots. À la mort pour l'instant. Là, par la barbe de Turin. Oh. J'ai toujours pas compris en fait ce qu'on est venu foutre dans cette caverne.
Et, mais en tout cas, on a récupéré un succès. Et j'ai pris deux niveaux, s'il vous plaît. Bon, on continue, hein. Alors, waouh, putain, classe. On dirait une Minas Tirith enneigée, c'est beau. C'est vraiment beau. Bon, va falloir déjà que qu'on aille faire du commerce, voyez-vous. J'ai besoin de vendre du matos. Ouais, je confirme. Tu as fait ton baptême de l'air. Laissez-moi vous remercier comme il se doit pour nous avoir sauvé la vie et vous souhaiter la bienvenue à Nordinbad, notre demeure. Putain, la classe. Le père de Nordri, le seigneur Corin, souhaite s'entretenir avec vous. Nordri est parti lui faire un rapport sur le raid de Gundabad et lui raconter tout ce que vous avez fait pour nous. D'accord. Et qui êtes-vous? Je suis ravi de faire la connaissance d'un autre nain. Même avec le combat, le voyage et tout le reste. Les dialogues sont pas très forts, hein. Je sais pas si vous les entendez correctement, mais. Fils de Ben. Je suis le capitaine de la garde de Nordinbad et un serviteur du seigneur Gorin. D'accord, ben nous irons parler à Gorin, écoute. Passez simplement les portes que vous voyez là-bas et vous le trouverez à l'intérieur. Les gardiens ont reçu l'ordre de vous laisser passer. D'accord, et j'ai pas eu le temps d'enquêter, vieux sac. Attends, parlez à Bruni. Oui, d'accord, attendez, enquêtez. Alors, pourquoi étiez-vous à Gundabad, cette arme que vous avez utilisée? Oui, parce que non, on comprend rien. Oui, on a rien compris, nous. Une ancienne défense faite par les nains qui ont creusé Gundabad il y a longtemps. Personne ne connaissait les qualités de la pierre mieux que les nains. D'accord. Et ils savaient qu'un seul son pouvait faire se briser une pierre solide. Ils ont utilisé ce savoir pour construire une défense contre. Ouais, en fait, c'est ça, c'était la pierre en fait, l'arme. Tout simplement. Le mont Gundabad est une forteresse d'orque depuis des siècles. Comment avez-vous su que cette arme existait? Oui, elle a été sous le contrôle des orques pendant de nombreuses années. Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai. J'étais très jeune quand mon peuple a combattu les orques lors d'une grande guerre. Mais mon père a participé au pillage de Gundabad. C'était l'un des travailleurs de pierre qui a trouvé l'arme. Elle lui a fait une forte impression. Bah, tu m'étonnes. L'histoire tant de fois que j'étais sûr de pouvoir la trouver et l'utiliser contre les orques. Mais comment saviez-vous qu'elle marcherait encore après tout ce temps? Nous ne le savions pas. Tout ceci était un pari. D'accord. Ok, bon, en fait, les mecs, ce sont vraiment des suicidaires un petit peu teubés. Voilà, j'ai bien ma réponse. Ok, enquêtez, vous avez quelque chose de... Vous avez quelque chose de genre... Oh, on s'en fout. Pensez-vous que nous serons suivis? Bon, on s'en fout aussi, c'est pas... Adieu. On se casse. On va parler à ton chef, Nordinbad. Putain, elle a un marteau, elle fait un... On dirait... Franchement, on dirait un bâton magique des Dwemers. Enfin, je sais pas si vous me suivez. Ah, je peux pas frapper ici. Waouh, par contre, c'est vraiment classe ici. Inspecter. Ah ouais, franchement, c'est pas mal. D'accord, c'est juste ça. Donc, les niveaux, comment on fait? Ok, donc point restant 6. J'ai pris 2 niveaux, je suis niveau 16. Alors, donc, je suis nain. Donc, je suis évidemment tank, je le rappelle, tank. Et j'ai beaucoup de force et beaucoup de, donc, de résistance. On va privilégier quand même un peu plus. Ouais, enfin voilà. On augmente toujours de manière à peu près égale. Vous voyez, 34 en force, 34 de résistance. Ce qui fait que maintenant j'inflige entre 340 et 415 de dégâts au corps à corps. J'ai 434 d'armure, en comptant mon stuff bien sûr. Et j'ai 400 PV dorénavant. Il me faut 14000 d'XP pour passer niveau 17. Ok, maintenant on va pouvoir choisir les spells, enfin les compétences. Ça m'a l'air pas mal. Remplacer le balayage par une série d'attaques ciblées rapides. Mais ah oui, non, il faut une épée. Mais j'ai une épée moi d'ailleurs, je suis con. Tire une qui explose. Ouh, ça c'est pas mal. Tire une, c'est pas mal. Quand vous l'activez, le cri de guerre régénère temporairement la santé du nain et de moi. Ouh, ça c'est bien ça. Oh, ça c'est épique. Ça c'est bien. Lorsqu'elle est active, augmente le bonus de dégâts de cri de guerre ainsi que les dégâts. Ça aussi c'est bien. On va maxer le cri de guerre, je pense, c'est pas mal. Comment on fait? Confirmer. Ouais, confirmer. Ok, maintenant je suis complètement pétos cracos. Malheureusement, je ne peux pas faire mes attaques ici. Donc, qui ai-je l'honneur? Parler à Beleram. Ouais, on va aller parler au seigneur, je ne sais plus comment il s'appelle. Gorin, oui, c'est ça, Gorin. En tout cas, j'adore. Ouais. Je crois que mon architecture préférée,
à part celle des elfes, enfin des elfes. Oui, des elfes, pardon. Enfin, mis à part celle des elfes, oui, l'architecture naine est ma préférée. Rassemblez les membres de votre équipe. Bon, vous vous ramenez là, qu'est-ce que vous branlez? Faut des jeux vidéo. Parce que l'autre con, enfin, ouais, l'elfe, l'elfette. Waouh, putain, c'est classe. Hein. Waouh, ouais, c'est vraiment classe. Voici ceux dont je vous ai parlé, sire. Permettez-moi de vous présenter un des nôtres, Farah des Rebords, ainsi qu'Andriel et Radan, ses compagnons. Nous avons accompli notre mission et j'ai la vie sauve uniquement grâce à leur. Ouais, on est la team de choc. Bienvenue, mon frère. Ainsi que vos compagnons, qu'ils soient hommes, elfes. ou aigle, oui. Éventuellement, je tourne. C'est vrai qu'on a souvent des potes aigles. Vous m'avez ramené mon fils et mon plus vieil ami, que je considérais déjà comme perdu. Pour cela, vous avez ma gratitude et serez toujours les bienvenus dans cette demeure. D'accord, sympa ça. Sympa, sympa. Car jamais auparavant. Nous n'avons autorisé des étrangers à franchir ces portes. Sauf maintenant, tu sais, grosse coïncidence. Ça, j'avoue, c'est magnifique. Franchement, s'ils avaient incorporé ça dans le film, une cité naine, mais avec des grottes, avec des cavités, avec de l'eau, quoi. De grandes grottes comme ça, avec des, enfin, des pics. Enfin, ça aurait été magnifique, quoi, il faut le dire. Et avec un peuple nain vivant, on va dire. Parce que là, au final, dans les films, on voit que Gimli, je crois. Ouais, quoique dans les Hobbits, là, il y a un peu plus de nains. Mais ouais, puisqu'on parle des rebords dans The Hobbit. Mais dans Seigneur des Anneaux, dans Seigneur des Anneaux, j'aurais bien aimé avoir ouais, voilà, vraiment les nains présents, quoi. Mais bon, c'est dommage. Visiter une cité naine et tout, ça aurait été juste épique. Heureux de m'être rendu utile, pourquoi avez-vous attaqué Gundabad? Nous recherchons un Gandor, on va plutôt... tac. Nous sommes honorés, seigneur. Mais nous recherchons un serviteur de l'ennemi. Il s'appelle Agandor. Attendez, est-ce qu'il y a... Agandor. Ouais, non. Je le ferai après. Bien, celui-là. Que son cœur sombre soit maudit. Il est apparu devant nos portes il y a quelques semaines. Ah, le pourparler. Le fameux pourparler. Le pourparler. Sauron le Grand, que voulait-il? Où se trouve-t-il désormais? Vous l'avez laissé. Vous l'avez laissé vivre? Bah oui, attends. Il pourparlemente. Le truc n'existe absolument pas comme mot. Que voulait-il? Où se trouve-t-il désormais? Bah attends, on va d'abord faire que voulait-il, c'est peut-être. Et qu'est-ce que ce serpent avait à dire? Sortez de chez vous, les bordelaires! Il nous a demandé de nous incliner sur la voilà. Base de Sauron. Comme s'il y avait de la grâce. Ah bah attends, je veux dire, oui. Il nous a dit que si nous cédions nos demeures et nos richesses sans nous battre, nos vies seraient épargnées, nous serions liés. Ah bah oui, en gros, vous me filez tout et vous cassez. C'est quasiment la même chose, hein. Au pire crever, enfin au pire essayer de défendre ces trucs, enfin je veux dire. Je sais pas, attends, en plus vous êtes badass les gars. Vous savez vous défendre les gars, oh. Hein, vous avez bien fait là. Non, parce que, bon, hein, les orques, là, hein, bon, hein, ils élèvent un petit peu trop le ton, je trouve. Sort ardent, voyez, qu'est-ce qu'ils... Sort ardent, vous allez dire quoi? Ouais, exactement. Soit allié avec le dragon Urgot qui vit sur ces terres. Avec une telle bête sous ses ordres, nous aurions peu d'espoir de lui résister. Ah, ouais. Allons pourfendre, Urghost. Un dragon, le servirait-il? Le dragon existe tout... Ouais, ça c'est la question la plus conne qui existe. Nous devrions peut-être chasser ce dragon avant qu'il ne vienne à nous. Oui, c'est une idée. Détruire Urghost. Oui. J'aimerais que ce soit aussi simple. En comparaison, l'attaque de Gundabad est une promenade paisible autour du lac. Non, si c'était aussi facile de pourfendre les dragons, beaucoup plus de nains vivraient toujours dans ces... Mais non, regarde, on est tellement pété qu'on va lui défoncer sa gueule à ce dragon, tu vas voir. Cela ne va pas changer. Il n'est pas prudent d'écarter de ses calculs un dragon vivant quand on est près de lui. Oui. Et on ne peut pas laisser Agandor avoir... Oui, aussi. Faites tous chier, vous avez tous raison. Je suis d'accord. Ah putain, on va affronter un boss absolument...
absolument ouf. Mais nous ne savons pas où vit le dragon. Et ça, c'est embêtant, aucun effectivement. Aucun n'a découvert son repère et n'a survécu pour... Évidemment, on va le trouver par hasard. Je suis sûr que l'aigle en sait quelque chose. Ah non, Radagast. Il semblerait qu'il sache à peu près tout ce qui se passe dans les terres sombres. Ah, Radagast, attendez. C'est... Ah, Radagast, c'est... C'est le pote de Gandalf, le mec avec des oiseaux, là, des papillons qui adore la nature et qui vit dans une cabane reclue dans la forêt. C'est lui, hein, c'est ça. Hein. Vous allez voir. Je crois que c'est lui. Oui, voilà, c'est ça. Maître des oiseaux et des bêtes. Donc dans The Hobbit. Pour ceux qui ne voient pas. Enfin, pour ceux qui voient aussi. Ah, génial, ils l'ont mis dans le jeu. Ouais, bah oui, c'est un aigle. On dit que Radagast est ami avec le seigneur des aigles. Bah attends, le mec c'est le seigneur des oiseaux, je sais pas quoi là. Attends. Oh. Si Radagast en sait autant que vous le dites, alors le voyage en vaut la peine. En effet. Mais oula, pardon. Vous ne partiez, j'aimerais que vous... J'ai une espèce de remontée chelou là. Allez voir mon intendant Galar. Je lui ai demandé d'ouvrir nos coffres-forts. Ouh. Je suis sûr que vous y trouverez quelque chose. Oh, alors là, si tu m'offres du stuff pété, je sens que... Ouh, je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Oh, je vais t'aimer. Ouh, qui sont les coffres? Attendez. Là, il y a un point de vue inspecté. Voilà une vision qui bouleverserait n'importe quel nain. Ah ouais, c'est magnifique. Ah, franchement, c'est magnifique. La mention spéciale pour ce décor, je trouve ça sublime. Ça me fait penser un peu à ce qu'il y a... Vraiment, là, au niveau artistique... Eh bien, les développeurs ont fait fort. On sent une certaine maîtrise. Hein. Alors, c'est vrai que le jeu n'est pas bon. Hein ? Il y a des défauts, mais il y a quand même des qualités. Et voilà, ce panorama en témoigne. Hein. Ok, nouvelle quête. Mirkwood. Pour l'instant, je vais aller piller les coffres comme un vieux salaud. Alors, voyons voir. Oh, oh, je suis deg, putain. Le mur invisible. Alors, attendez. Inspecter. Ouais, c'est fou. Tout à fait remarquable. Il y a des artisans très doués ici, pour sûr. On peut pas passer ici? Non, d'accord. Ils ont foutu des gardes à une porte où on peut même pas passer, c'est un petit peu stupide. Je suppose que vous êtes des marchands, vous, non? Oui, Galar. Ah bah c'est lui. Vous êtes l'étranger des rebords. C'est moi-même. Mais vous ressemblez quand même à un vrai nain à première vue. Maintenant que vous savez que nous sommes là, je suppose que nous allons être envahis par des peuples nains qui vont venir voir notre lac. Êtes-vous ici pour acheter quelque chose? Oui! J'ai un très bon stock des plus beaux objets. Putain, je sens le stuff badass. Attention. Fais voir tout ce que t'as. C'est Gorin qui m'envoie. Enquêter. Pourquoi êtes-vous si... Bon, d'accord. Montrez-moi ce que vous avez, hein. Alors, acheter. Alors, fais-moi voir tout ce que t'as, mon gars. Donc... 3168 le casque plus 3 de résistance. Par contre, c'est vrai que ton casque est plutôt sympa, homme de Bury. Alors, on va d'abord voir tous les articles qu'il propose. Spalier, pardon, de Beorning, épaule de qualité, chef-d'œuvre. Putain, 3000. Ah ouais, c'est vrai que c'est assez cher. Après, au niveau des torses, 2000. Putain, qualité chef-d'œuvre, qualité standard, ça c'est de la merde. 182, 2000. Torse qualité, protège-torse de longue barde. Aubert de Longuebarde, c'est la même chose. Ah non, alors, lui il y a un emplacement, lui il n'y en a pas. Bon, on va prendre plutôt lui. Hein. Au niveau des ouais, bon, au niveau des brassards, on n'a rien. Au niveau des épées, ouais, on pourrait se battre lame double. Quoi, ou alors, on retourne à la méga hache. Attendez, voyons voir ce qu'on a. Il me faudrait hache de combat de nain forgeron. Hache de combat de Longuebarde. Oh, hache de combat de Bury. Ça, ça a la classe, ça. Et avec un pavois de nain forgeron. Non, j'ai envie d'une bonne grosse hache double, comme on en a pas vu depuis longtemps. Bon, ça, je peux pas les mettre. Au niveau des bottes, ouais, de toute façon, au niveau des bottes, ouais. Il y a plein de bottes. Qualité chef-d'œuvre. Alors, faut bien regarder les qualités chef-d'œuvre. Grève de nain forgeron, grève de nain forgeron. Ils vendent deux fois la même chose. Oups. Ok, bah, c'est parti. Alors, déjà, je t'achète. Le casque, paf, je t'achète l'épaulière, il me reste 14 000, je vais t'acheter le protège-torse de longue barde.
Je vais ensuite au niveau des gantelets, on s'en fout. Ah merde, ça on s'en fout. Main gauche, main droite, ouais ok au pire. Hop, la hache de combat de Buri qui est badass. Au niveau des frocs, non froc tu n'as rien à me proposer. Et grève de nain forgeron. Ouais quoique je préfère prendre limite à 68 et économiser 700. On va faire ça, de longue barde. Ok, et là je crois qu'on a tout. Et j'ai plus rien dans mon stuff. De toute façon, alors comment on fait pour s'équiper? Ok, donc alors c'est parti pour l'équipement. Donc le home de Buri qui est magnifique. Voyez-vous ça, il est très très beau. Merde, hop, c'est pas ça. Au niveau des épaulières, c'est la même chose. Épaulière d'Angmir plus 20 de santé. Ah, j'avais un bonus de santé. Protège torse. J'avais plastron d'Imladris à plus 15 de dégâts. Et là j'ai le protège torse de longue barre d'attention. Waouh, il a la classe, putain j'adore. Vraiment je le redis encore une fois, les stuffs de ce jeu sont sublimes. Vraiment j'aime beaucoup. Il est vraiment très beau ce torse. Non, hop, tu vas me mettre au niveau des gantelets. Ouais bon, arbalète ok. Et là la hache badass, la hache double, celle de Gimli il me semble. Et là t'as vraiment l'air d'un nain de combat. Ça fait plaisir. Le froc. Le froc, on a déjà un froc. Ouais, assez intéressant. Donc, tu vas me porter les grèves gravées de Longuebarde. Voilà, tu es full stuff machin de Longuebarde, il me semble. Ah, désolé, ça c'est mon Facebook. Waouh, et j'ai plein de. Enfin, là, je les utilise. C'est Elfstone de volonté. Appuyez sur A pour ranger. Ah, ouais, je peux le faire directement comme ça. Bon, on va le faire direct. Attendez. Alors, on va essayer de les placer. Attendez. Nope. Je craft 2 secondes. Ah, c'est vrai que petit. Oula, putain, j'ai bugué sur les smileys, c'est pas grave. C'est vrai que le petit fou des jeux vidéo attend là. Il faut. Donc, Elfstone, on va voir ce qu'on a. Plus 5 de force. Plus. Oh, ça c'est bien. Elfstone de protection, on va ranger. On va foutre ça sur les épaulières. Allez, hop. Voilà, hop, endiablé, le petit succès de ouf. Ensuite, on repasse, 5 force c'est pas mal, 5 de volonté je m'en fous, 75 dégâts critiques c'est pas mal. Prix en magasin réduit de 10%, c'est intéressant ça, de sympathie, Elfstone de restauration, régénération de puissance, ça c'est pas très utile. Appuyer pour fabriquer, combiner, putain mais en fait j'avais vraiment pas fait attention, il y a vraiment un aspect craft dans le jeu, donc on peut le faire directement depuis son inventaire, ça c'est assez intéressant, on n'a pas besoin de te faire chier à aller voir forcément quelqu'un, bon c'est peut-être pas non plus ultra réaliste, ok mais bon, c'est déjà pas mal, donc combiner alphirine avec carandol, potion de santé, ah ouais je peux crafter des potions de santé, intéressant ça, qu'est-ce que ça donne ça, potion de garde, de Litlas, la feuille des rois, c'est ça? Non. Gâteau de rétablissement. Pas mal. Et je crois que c'est tout au niveau des crafts. Gâteau de rétablissement. Idiot. C'est pas grave. Je suis con. C'est pas grave. C'est pas grave. Fragment de carte. Utiliser. Point ajouté sur la carte. Point ajouté. Ce point était déjà sur. Ah ouais! Génial. La tournoire Barad-dûr a été ajoutée à votre carte. Génial. Je ne savais pas. Oh bah c'est superbe. Donc les compétences de l'arme provoquent assommant 100%. Ah ça c'est pas mal. Est-ce que je peux le mettre sur ma... Ah ouais j'ai 3. J'ai 3 en plus, j'ai 3 emplacements. Oh yeah, putain elle va être cheatée cette arme. On va lui mettre 5 de force en plus sur l'arme. J'ai tellement... Putain, j'ai tellement d'emplacements que putain elle va être pétée cette arme. Oh, là vraiment je prends du plaisir à jouer. Là je commence à bien kiffer là. C'est quoi ce jeu? Oula c'est bugué ça. Potion de robustesse, d'efficacité de... On va prendre ça. Hop. Va falloir que je vende ça aussi parce que ouais ça vaut cher. Hein. Régénération de puissance, prix en magasin c'est pas mal. Ça je vais le mettre sur l'arme aussi. Je suis désolé pour mon Facebook. Et voilà, j'ai une arme complètement badass de la mort qui tue. On va quand même... Ah, qu'est-ce qu'il nous dit? Je dois y aller. Allez, bye, bisous les gens. Ah, notre... Fuck. Ah, il doit y aller, le petit fou des jeux vidéo. Je vais devoir continuer tout seul. On est à 34 minutes. Bah, comme je vous ai dit, ça va être une session longue. Bah, c'est pas grave. Hein. Écoutez,
Ah, c'est assez dommage. À la prochaine, on lui dit à notre fou des jeux vidéo. C'est un petit peu dommage. Je suis désolé, ouais, c'est vrai que quand on est à deux et que lui il a pas besoin de crafter, c'est assez dérangeant pour la deuxième personne, je reconnais. Mais voilà, du coup là je vais pouvoir crafter tranquillou. 5 de volonté, 5 de dextérité, ça peut être pas mal. Régénération de puissance, j'en ai parfois besoin, on va mettre ça sur les bottes. Voilà. Et je pense que... Ah ok, bah attends. Ah. Pas grave, t'inquiète pas, Robert. Voilà, allez. Bisous, bisous, on dit au revoir à fou des jeux vidéo qui doit s'en aller. Mais résultat, moi j'ai mon nain qui est complètement badass de la mort qui tue. Et bien c'est parti, on va se rendre ici puisque je ne sais pas où aller. Fou des jeux vidéo a quitté la partie, bon. On lui dit au revoir, inspecter. C'est vraiment magnifique, hein, j'adore. Prenez le temps d'admirer un petit peu les décors. Putain, ça va loin, hein. J'aime bien parce qu'il y a une petite phase d'exploration quand on n'est pas en quête. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Dommage qu'on ne puisse pas rester un peu. Ouais, je suis d'accord. Personnaliser l'apparence. Non ! Personnaliser l'apparence. Oh, trop bien ! Écoutez, je découvre de plus en plus de choses. C'est vraiment excellent. Alors, quelle tête va-t-on lui mettre à notre nain ? Cette tête. Et fou des jeux vidéo qui joue à Garry's Mod alors que ses parents lui ont... Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Quelle tête va-t-on lui mettre? Celle-là, elle est pas mal. Il a l'air... Merde. Celle-là, couleur des yeux. Des yeux bleus, j'adore. Attendez, hop. Cheveux. Ah ouais, on peut lui... Ouais, les cheveux, évidemment, la barbe ne change pas. Il y a juste la coupe de cheveux. Une petite calvitie, ça vous dirait, non? Comme ça, il est bien classe. Et couleur des... Oh yes, on peut changer la couleur des cheveux. Oh épique. Les cheveux blancs. Oh ouais, les cheveux blancs. Putain, il est juste épique maintenant le nain. Ça aurait été bien de pouvoir faire ça avec Eradan. Merde. Vu que fou des jeux vidéo a quitté la partie, il a plus son stuff de fou. Eradan, il est à poil. Ça c'est problématique, voyez-vous. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, il n'y a rien d'autre à faire, je suppose. Je peux pas commander une petite pinte, non? Non. Écoute, on va continuer à visiter avant de repartir à l'aventure. On va continuer. Donc, faut pas que je me... Non, ça c'est dehors. Ok. Attendez. J'étais par où? Donc là, là c'est sur le côté. Là, il y a une autre pièce. Donc là... On... Ah oui, d'accord. Ok, non. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Donc, on va aller parler aux nains. On va aller parler aux nains et c'est vraiment chiant le Facebook. Faut que je pense à l'éteindre à chaque fois que je fais une vidéo, mais j'oublie. Je me le suis dit en plus avant de la faire cette vidéo, mais bon. En tout cas, magnifique séquence chez les nains. Alors, on va juste descendre histoire de voir s'il y a quelque chose d'intéressant en bas. Ouais, apparemment on peut se barrer. Mais on va d'abord parler à l'aigle. Parce que si on doit aller voir Radagast, le pote de Gandalf qui aime la nature, qui vit reclus dans la forêt. Parler à Beleram. Birkwood est un endroit où je préfère ne pas me poser. Ah merde. Nous sommes prêts à y aller. D'accord. Connaissez-vous bien enquêter Urgos, Barantor et Amenalra? Je m'inquiète pour ma demeure. Mais non. Connaissez-vous bien Radagast? Le magicien Brun est un ami proche. Le magicien Brun. Depuis qu'il est arrivé en terre du milieu et s'est établi dans la forêt qui se nomme désormais Myrkwood, avant même qu'elle naisse son renom. D'accord. C'était longtemps avant ma naissance, mais je lui ai souvent rendu visite dans sa demeure à Rosgobel, où je lui apportais des nouvelles de pays lointains. Mais je ne l'ai pas vu depuis qu'il a abandonné Rosgobel. Ah, flûte, il a abandonné sa demeure. Un autre magicien, pardi. Avant que je n'ai pu lui poser la question. Ah. Mais menaces et ténèbres s'étendent dans le sud de Myrkwood. Je crois que Rosgobel n'est plus un endroit sûr désormais, même pour un magicien. Ah ouais. Mais n'ayez crainte. Je c'est sûr que c'est problématique. Je connais le préféré de Radagast dans le nord de Myrkwood. Nous le trouverons, ou je vous amènerai dans un endroit où vous serez susceptible de le trouver, tout au moins. Ok, bah c'est parti. Seront prêts. En selle.
Et Gretel, ah. Ok, alors on a la possibilité d'aller là ou là-bas. Bah on va aller à Mirkoud, Nordinbad. On a déjà fait pas mal de trucs finalement. Le Getsarn. Mission défi Lorien, mission défi Osgiliath. Ouais bon, ça on va peut-être pas les faire, nous on va se focaliser sur l'histoire, Mirkoud. Et c'est parti les mecs, on va à Mirkoud dans la forêt. La forêt, putain le Facebook. Je suis désolé si ça nuit à votre expérience, j'en suis navré, mais j'ai... Enfin, en fait, là, j'ai pas trop... Ah, merde, ça, c'était pas prévu. Je disais, j'ai pas trop envie de faire des retours Windows, parce qu'après, c'est casse-couille pour le montage avec Audacity et tout. Et je tombe comme une merde, aucun dégât, hein. Je me relève, normal. Écoutez, les gars, je veux dire, je suis un nain ou je suis pas un nain? Oh. Par contre, où sont mes potes? Ah. Bonjour! Monsieur le magicien, Wulfrun. Personne ne peut l'aider. Et personne ne peut vous aider, vous. T'es sûr? Allez hop, vas-y, ferme ta bouche déjà. Avec la petite plume qui tombe derrière. Magnifique. Enfin, un boss intéressant. Enfin, des. Ce jeu devient de plus en plus intéressant. Bon, vous avez intérêt à lui péter la gueule. Hein. Ah, c'est un magie. Putain, c'est cheaté là. Qu'est-ce que tu nous fais, Patrick? Ah ouais, vas-y, c'est bien ça, dans le bouclier. Oh ouais, c'est pété en fait son bouclier. Ah, j'ai... Oh le boulet, j'ai plus de munitions. Restez dans le bouclier, bande d'incompétents. Putain, j'ai plus de munitions. Putain, je peux pas le choper. J'ai plus de munitions, quel idiot. J'en ai plus. Bon bah les gars, vous allez voir... Putain, ici, il y a des munitions. Il y a des munitions ici. Il y a des munitions. Putain, j'ai que 6 carreaux. Vas-y, cours. Oh oui. Ah, putain, il se téléporte. Le sac. Vite. Je récupère des munitions. Prends ça. Attendez, comment on met la rage? Ah, la rage. Bah, c'est bon, j'ai trouvé. Allez. Il se téléporte, le sac. Il est où? Viens là, saloperie. Ah, mais non, mais en fait... Il est téléguidé, l'enfoiré. Oh oui. Oh, le coup critique. Putain, il prend cher, hein. On est déjà... Il est déjà mid-life. Moi, j'ai pris Bobo. Ouais. Pas mal, le bouclier. Vraiment. Vraiment sympa, le bouclier. Allez, je récupère ma life. Et cette armure est vraiment superbe. Allez. Oh, putain, j'ai bousillé un carreau pour rien. Ah non. Ok, au corps à corps. T'es comme ça. Est-ce que... Non, je peux pas. Est-ce que c'est un tas de... Non, je l'ai déjà chopé. Je m'en fous. Paf. Tac. Oh, les potions, c'est cheaté les potions. Regardez-moi ça, j'ai récupéré... Full life, les gars. Ah, mais sérieux, il est à tête chercheuse, le type. Ce boss est à tête chercheuse. Mais vraiment, un... Ouais, c'est un boss avec un pattern qui change, qui varie, qui est assez diversifié. Ce qui fait que c'est... intéressant de se battre contre lui, je trouve. Et finalement, les potes sont pas si teubés que ça. Putain, mais ils se téléportent. Trop tard. Ils se téléportent, j'ai plus de carreaux de toute façon. Il a plus de vie. Il a plus de vie. C'est le moment. Oh. Oh putain. Le. Magnifique. Superbe. Bouclier renforcé, plein de stuff, du... Oh là là, du succès de partout, c'est magnifique. Il a pris un coup de vieux résultat avec son changement d'apparence, le nain. Et le Nazgûl, enfin pas le Nazgûl, mais la bestiole qui transporte les Nazgûl à la base se fait défoncer par l'aile. Voilà. À terre, couché Médor. Putain, c'est que ça mord cette saloperie, hein. Vas-y. Voilà. GG. Bien joué, tu l'as égorgé. Bon. Eh bien, c'est une réussite. Et j'aime beaucoup cet endroit, une forêt. Mirkoud. Mais voyez, en fait, finalement, j'ai l'impression que ce jeu ouais, est plus basé en soi sur The Hobbit, finalement. Puisque ça me rappelle la forêt dans The Hobbit 2, il me semble. Avec les araignées et tout, c'est vrai que... Ouais, franchement, c'est sympa. Oh, putain, le Facebook. Cet être ne proférera plus de mensonges. Ah bah ouais, je confirme. Cela dit, j'ai peur qu'il ne s'agisse pas d'une rencontre fortuite. Si Wulfrun était ici,
Cela signifie que Radagast pourrait avoir des ennuis. Vous devriez vous dépêcher de le trouver. J'ai juste envie de demander quelle était donc cette créature. Quelle est donc cette créature ignoble? J'ai envie de savoir le nom. Attention. Qui peut le dire? Peut-être une bête du monde ancien, nourrie et façonnée. Ah merde. Par le seigneur des terres. Ça a pas de nom. Pour servir ses serviteurs les plus dévoués. D'accord. À quelle distance est-ce? Qu'allez-vous faire? Nous continuerons les recherches à pied. Devons-nous vous rejoindre ici lorsque nous l'aurons trouvé? Non, je dois retrouver mes compagnons. Ils s'inquiètent probablement pour moi. Ensemble, nous pourrons monter la garde de là-haut. Radagast compte de nombreux amis parmi les oiseaux de Mirkwood. D'accord. Si vous le trouvez, il pourra nous envoyer un message assez facilement. D'accord, bonne chance. M'écoute. Très bien. Bonne chance, Beleram. Je n'aime pas l'aspect de cette forêt. J'aurais voulu que nos pas nous mènent ailleurs. Parcourez Mirkwood pour trouver la maison de Radagast. Que Mirkwood n'a pas toujours été ainsi. C'était une forêt assez belle, avant que l'ombre du Seigneur des Ténèbres ne s'étende sur elle. Cette ombre s'étend toujours sur elle. Ouais. La forêt abrite des créatures maléfiques. Restez sur vos gardes. C'est dommage. Franchement, je trouve ça vraiment dommage qu'on soit pas plus libre, en fait, dans ce jeu. Vous voyez, il y a des murs invisibles partout, c'est un peu dommage. Attendez, je viens de gagner du stuff complètement cheaté. Un bouclier renforcé en acier de Beorning. 220 d'armure, c'est pas mal. Sinon, qu'est-ce que j'ai gagné? Une ongle de guérison. Et équipement de guerrier décoré d'un corbeau. Ouais, en fait rien d'autre. Et un peu d'argent. Ok, bah c'est parti. On va s'enfoncer doucement dans cette forêt. Je vais peut-être augmenter un peu le son. Parce que je vous ai dit, j'ai peut-être trop baissé le son. Volume de la musique. Pas le volume de la musique. Le volume des cinématiques et le volume des dialogues surtout. Voilà. Voilà, déjà, vous avez un peu plus d'ambiance. Regardez, là, un warg. Ah là, c'est mieux, là. Au pire, je baisserai le son au montage. Waouh, ce warg est classe, c'est un warg sauvage. Il a une crête étrange. Ah, ouais, ils sont amusés à modifier un peu quelques créatures. Allons-y. Le warg que l'on entend est plus à craindre que l'orque que l'on voit. C'est vrai. Tout à fait. Magnifique phrase, digne de Legolas. Ouh, putain, mais alors là, vous enchaînez, les gars, attendez, hein. S'il vous plaît, là, attends, c'est le concours ou quoi, là? Putain. Même Legolas, ça, c'est limite, hein. Vous le surpassez, hein. Putain, on va se faire choper par des wargs, ça va être le combat de l'infini. Oh, une petite clairière. Très jolie. Mais pourquoi il y a des torches? Ah, ça, ça... Ah non, c'est un campement d'orques. Faites attention. Les wargs ont décelé notre présence. J'aime pas ça. Gardez l'œil ouvert. Un campement d'orques. Attendez, est-ce que je peux monter ici? Ouais, apparemment. Là-haut, un archer. Attendez, déjà je récupère. Où ça? Ils vont se mettre à la... Ah ouais, là. Nous devons nous protéger de leurs flèches. Putain, mais en fait, le problème c'est que j'ai vraiment pas assez de munitions. Putain, y'en a un là-bas. Ah, tout! Putain, il vise bien le salaud! Prends ça. Et en combien de carreaux il meurt? Parce que j'ai... Putain, il me faudrait une arbalète vachement plus puissante. Non, regardez ça, c'est pas possible. Non, je peux pas me les faire. Je peux pas me les faire, moi c'est pas possible, j'ai pas assez de carreaux. Faut que j'essaye de récupérer des munitions. Faut que je récupère la vie. Oh, il est devenu Petos Krakos, le cercle de guérison. Vraiment. Paf, tac, 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 tac. Je me fais toutes les caisses, il me faut des munitions. Ah, les effets de lumière sont assez sympas dans cette zone. Il charge. Comment ça il charge? Comment ça il charge? Ah! Oh! Je me taille. Mon dieu! La rage, la rage, la rage, le cri de guerre, le cri de guerre. Normalement je régène ma vie, oui. Alors, c'est... Alors, c'est assez long. Putain, 1000 de dégâts quand même. Le coup déstabilisant. Oh putain, alors lui, il a rien compris. Il est où l'autre? Il faut qu'on nous soigne. Ah merde, Eradan a des problèmes. Va-t'en. Ah ouais, je l'ai assommé. Je l'ai assommé, je l'ai assommé. Il y avait une... quelque chose qui indiquait qu'il était assommé. Putain, mais hé. Dans le cercle de guérison. C'était trop risqué.
Merde. Ok, génial. Eradan est debout. Toi, tu vas dire bonjour au diable. Le cri de guerre. Et c'est parti, je rentre en mode Petos Krakos de la mort qui tue. Assommé. Ah, merde. L'elfe a des... Non, alors là, par contre, l'elfe a des ennuis. Ouais, vite. Allez. Allez. Génial. Putain, c'est tendu, hein. Ouah, 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 ouah. Meurs. Oh la vache, c'est vraiment tendu, hein. Ce jeu est d'une difficulté. Cri de guerre. Ah, le cercle de guérison. Meurs. Ah putain, il veut pas mourir. Meurs. Meurs. Allez. Voilà. Par contre là c'est trop tendu. C'est trop tendu. Putain, c'est vraiment ch... Eradan est tombé. Putain. Ouh, c'est chaud. Vas-y. Allez vite. Génial. Allez, le cercle, le cercle, le cercle. Mon dieu. Oh là 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 là, je prends cher. Les popos. Je suis mort. Je suis mort. Faut que quelqu'un me soigne. Oui, génial. Non, putain. Allez, soigne-moi. Oui. Oui. Attends, attends, je... Ouah, ouah. Attends. Ah, j'ai pas de puissance. Ok, il y en a un qui est mort. Ouais, allez. Allez, on s'en sort bien là. Il y a du travail d'équipe. Et de 1. Oh, il est pas mort. Il est pas mort. Oh, il était pas mort, le salaud. Putain, je prends cher. Oh là 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 là, je prends des bifles, les gars. L'autre, il a 15 000 flèches dans le corps. Putain, c'est chaud. Vas-y, soigne-le, soigne-le. Soigne-le. Il y en a un de moins. Oh là 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 là. Non. Je vois rien. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne vois rien. Vite. Une popo, une popo, une popo. Potion de garde. On va prendre ça. Potion de robustesse. Potion de puissance. Potion de puissance. J'ai que ça. Eh oh. On a dit pas. Putain, c'est vraiment hyper dur. Putain, c'est vraiment n'importe quoi. Vite, il me faut ça, j'ai besoin. Ah putain. Là il faut du skill, les amis. Je vous jure qu'il faut du skill. Je suis ultra concentré. Oh non 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 non. Non, ça c'est... Oh mais regarde, mais c'est impossible. Mais c'est quoi cette zone de taré? Oh les gars. Il faut plus de temps. Putain 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 putain. Allez, suivez-moi, suivez-moi. Oh merde. Allez. Merde. Oh. Ah, je vais crever. Mon dieu, c'est n'importe quoi. Eh, si on s'en sort, les gars, vous m'appelez Dieu, hein. En plus j'ai... Ouais, c'est bien ça. Allez, meurs. Meurs. Allez, meurs. Il y en a un de moins. Et deux de moins. Bim. Putain, je gueule dans le micro, c'est n'importe quoi. Oh, le achievement. Combo Monster Cure. Allez au diable. Putain, il frappe. Oh. Oh, tu respectes. Putain, c'est des Uruk-hai, ça, c'est pas des orques. Putain, mais... Allez, vas-y, 292 d'XP. Putain, c'est tendu, les gars. C'est tendu, cette zone. Mais cette zone, je vous ai vendu du rêve. Mais du rêve. Oh la vache, putain, je transpire. Oh mon dieu, putain. Eh, c'était beau, hein. Tout dans le travail d'équipe. Tout dans le travail d'équipe. Bon, mon dieu. Ah, par contre, ça va être tendu. Toi, tu vas dire bonjour au diable. Voilà. Meurs. Allez. Eh ben putain.
Putain, il en reste un. Ah, il reste celui là-bas. Ah, je peux lui tirer que 2-3 carreaux. Voilà, c'est bon. Allez, on progresse. Putain, mais c'était chaud. Hein. Oh, attendez, les gars. Je reprends mon souffle. Putain, mais ce jeu, même en normal, c'est juste impossible. Il faut le dire, là. Bon. Point de sauvegarde. La vache. On dirait du Dark Souls, là, les gars. Putain. Et heureusement que j'ai réussi à les soigner. Sauf que le mec n'a pas de stuff, en fait. C'est ça. Il faudrait que je change de perso pour lui mettre son stuff complètement craqué. On dirait des œufs, des œufs d'insectes. Oh, putain, les araignées. Ils sont si nombreux. Ils sont si gros. Cachés, mais personne ne connaît mieux le travail. Reculez. Bon. Ok. Ah ouais, d'accord. J'ai un secret. Super. Ah ouais, génial. Des popos, s'il vous plaît, parce que là, j'ai pas de quoi crafter des popos, ce serait sympa. Alors, un bouclier des théodes, j'ai tout pris. Alors, attendez, on va faire un petit tour. Donc, grande plume, une potion de santé, ce qui est sympa. Et alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a gagné? Un bouclier des théodes, il me semble. Est-ce qu'il est pas mal, le bouclier des théodes? Des hauts théodes, pardon. 230, ouais, 32 puissants. Ça va, c'est pas mal. Et des anneaux que je pourrais revendre ou que je pourrais filer. Bâton de la souche, je sais pas quoi. Ah ouais, attendez, je peux leur filer. Ah bah tiens, il a changé de stuff d'un coup, Eradan. Eh, vous avez vu, il a mis une espèce d'armure qui est vraiment belle, hein. Très jolie. Je vais voir si je peux lui filer du stuff. On va faire ça, vu qu'on a un peu de temps, là. Paf, 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 pif, paf, pouf. Alors ça... Ça, je vais donner à Andriel, qui s'en est équipé normalement. Ça, je peux le donner. C'est pas ce que je voulais faire. Pardon. Ce que je voulais faire, c'était le filet à Eradan. Putain! Désolé, je vous ai défoncé les oreilles, mais là, je... Putain, c'est ce joystick qui est ultra sensible, là. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Rends-moi ma hache badass et ça tu le donnes à Eradan. Voilà. Qui va s'en équiper au niveau des frocs. Est-ce que ça je peux le filer à Eradan? Eradan. Ça je vais en filer plein ça. De volonté. Ça je file à Andriel. Ça je file à Eradan. Ça je file à Eradan. Ça je file à Eradan. Et ça je file à Eradan. Voilà. C'est bon. Et voyons voir à quoi il ressemble maintenant. Bon, il a toujours son armure épique. Il a pris mon épée. Donc il a chopé mon épée qui est vraiment magnifique. Regardez dans la lueur là. L'arc, bon, il a pas changé. Et les coffres, ok, bon, c'est parfait. Allez, on progresse. Ça fait une heure déjà que je tourne. C'est pas grave, ça me fait plaisir. Hop. C'est trop bien, au moins on avance. Bah quoique, est-ce qu'on s'arrête là? On va peut-être s'arrêter là. Allez, on s'arrête après. Après ce boss. Ça fera une heure de vidéo. Ah, c'est bien dégueulasse. C'était bien dégueulasse. Ok, bon, bah le troll, le méga troll de la mort. Allez, on rentre tout de suite en rage et on lui fait un premier coup. Alors, est-ce que lui a un pattern différent? Non. Putain, il a pris cher là. Oh, le critique. Putain, il prend cher. Il prend très cher. Il prend très très cher. Oh. Oh yeah. Putain, on va le défoncer. Viens ici, sac à merde. Cri de guerre. Ah là, par contre, j'ai... Oh. Oh! Ah, par contre là. Allez hop! Non, je veux pas prendre les objets. Ah bah du coup j'ai pas. Oui! Ah là il en peut plus le. Il en peut plus! Holy shit! Je l'ai défoncé! Je l'ai défoncé complètement défoncé de l'infini, de la mort qui tue, je l'ai démembré. Il n'y a pas d'autre mot. Oh putain.
Putain, magnifique. Bah, du coup, maintenant, on les déglingue, les trolls. Ça fait plaisir. On prend tous les objets, améthyste lisse. On va pouvoir faire un petit peu de crafting. Voyons voir, j'ai tout pris. Alors, voyons voir. Oh, oh, marteau des étendues de glace, plus 25 de santé, plus 5 dégâts de glace, compétence de lame provoquant ralentissement. Oh, soum soum, oh. Ah, je peux pas le donner, fuck. Il fait combien de dégâts? Ouais, il fait moins de dégâts. Hein. Ouais, non, il est beaucoup moins puissant. Mais je vais le garder quand même, parce que, bon, pour la beauté du truc. Ici, j'ai rien de plus. Si, alors ça, qu'est-ce que je peux en faire? Non, je peux juste la vendre. Alors, au niveau des anneaux, oh, un anneau en os, pourri. Et un anneau en argent de l'esprit. 23 volonté, tac, je le file à Andriel. Andriel, voyons voir ton stuff. Tu as un maillet, un beau casque elfique, des beaux gantelets. Tu ressembles un peu à rien, mais c'est pas grave. Du coup, ok. Putain, j'ai envie de continuer, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Du coup, bah, on va s'arrêter là, hein. Ça fait une heure, sinon ça va être trop long à upload. Du coup, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, je me suis éclaté, vraiment. Je crois que c'est l'épisode où je me suis le plus marré. On commence à prendre du level. On commence, voilà, c'est de plus en plus intéressant, ce jeu, je trouve. Et donc, voilà, je vais essayer de le finir. Enfin, je vais essayer de... Dorénavant, je vais vous faire des grosses sessions comme ça. Donc là, je pense que je m'arrête là. Je vais continuer juste après. Une autre session d'une heure. Là c'est un après-midi tournage de vidéo pour vous faire plaisir les gars, hein. Je vais tourner un truc surprise, vous allez voir, normalement, qui sera aussi autour d'un RPG si j'ai la foi, ou alors je vais voir peut-être un autre truc, peut-être du Black and White, je sais pas. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit j'aime, et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous et portez-vous bien.